Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Amphithéâtre de la Manufacture pour cette rencontre dans le cadre d'une rentrée numérique. Donc avant de laisser la parole à Miguel Chevalier pour présenter son travail, je vais remercier les personnes qui ont participé à cet événement. Donc tout d'abord, merci Miguel d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous là ce matin. Merci à Frédéric Leval, IAIPR de l'Académie Aix-Marseille, qui a rendu possible la captation live de cet événement. Mes chaleureux remerciements à la DAC, qui par l'intermédiaire de Sophie Valentin, responsable académique aux arts visuels, nous a soutenus dès le départ sur ce projet et nous a accompagnés pour créer une offre adaptée. Un grand, grand merci à Véronique Bâton, directrice du Grenier à sel, qui est partenaire sur cet événement. Merci à toute l'équipe de la Manufacture pour votre accueil dans ces beaux locaux. Merci évidemment à toute l'équipe de Chronique, les médiatrices, Eléa, Esther, Elodie, à l'équipe Com, Léa, que je vois tout en haut. Merci à Ilona Carmona, attachée au projet scolaire, qui animera cette matinée. On peut l'applaudir très fort. Et merci Mathieu Vabre, co-directeur de Chronique. Et bien sûr, merci à vous, chers élèves, chers enseignants, enseignantes, d'être là avec nous ce matin pour cette rencontre. Donc avant de laisser Ilona mener cette rencontre, je laisse la parole à Monsieur Leval, si vous le voulez bien. Merci beaucoup Colline. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, je m'adresse à vous tous présents ici ce matin, enseignants comme élèves, mais à tous ceux qui sont connectés, parce que comme le disait Colline à l'instant, on a permis effectivement une diffusion en live streaming de cette rencontre avec Miguel Chevalier, que je remercie immédiatement, bien sûr, pour la disponibilité qui est la sienne. En plus, il réitère une performance qu'il a déjà accomplie hier, parce qu'hier, il était donc, au lycée Aubanel à Avignon, où on a reçu également des enseignants et des élèves de lycée. Donc vraiment, c'est pour nous un extrême privilège que de pouvoir l'accueillir dans la région académique, que de pouvoir profiter de sa présence et de la possibilité d'un échange sur son travail. Je ne vais pas resituer les choses très longuement, mais vous aurez compris que son travail, effectivement, aujourd'hui, est dans le corpus des œuvres qui viennent illustrer certaines entrées des programmes de spécialité au lycée. Et il est rare, effectivement, qu'on puisse, de cette manière, finalement, être au contact des artistes qui sont retenus dans ce corpus limitatif. Donc là, c'est quelque chose de très exceptionnel à l'échelle académique et à l'échelon national aussi, avec les collègues et élèves qui sont connectés donc, dans les autres académies. Donc les remerciements vont bien sûr en direction de Chronique, qui est une entité dans laquelle est investi à la fois Seconde Nature et Le Zinc, qui sont deux partenaires avec lesquels on travaille de façon continue et de très longue date dans l'académie. Donc ce sont pour nous des partenaires précieux autour de tout ce qui concerne effectivement le numérique et les arts numériques. Donc merci encore pour votre disponibilité. Merci à Ilona Carmona, qui était personnel de l'éducation nationale relais dans ces structures et qui maintenant est davantage intégré dans ces structures et qui a contribué à produire un document auquel je vous renvoie tous. Il y a un PDF qui a été diffusé là aussi à l'échelon national, qui est une très bonne introduction à ce qui va se passer ce matin. Donc c'est pour ça que je ne m'étendrai pas davantage sur l'articulation de cet événement avec les programmes du lycée. Donc et puis un petit remerciement effectivement à nos collègues de l'Académie, Sophie Valentin qui est là, qui représente la délégation académique à l'action culturelle, qui fait partie, des acteurs importants pour que ces relations de partenariat entre les acteurs culturels locaux et l'éducation nationale puissent se dérouler dans les meilleures conditions, et l'école académique effectivement de la formation continue qui a accepté de financer une partie de cette manifestation, notamment toute la partie retransmission. Je ne serai pas plus long. Merci encore à tous pour avoir organisé ce bel événement, et merci encore Miguel Chevalier d'être avec nous, présent et disponible pour dialoguer avec les élèves après votre intervention. Merci beaucoup.
Alors ça y est, c'est le moment, on va lancer cette rencontre. Je passe le micro à Ilona. Alors je récupère quand même l'autre, ah oui voilà, super, les deux micros, j'en récupère un parce que à l'issue de cette rencontre, il y aura un petit tour de questions, donc voilà, je le garde pour tout à l'heure. Merci Ilona. Mais de rien. On va s'asseoir, on sera mieux je pense. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous, encore merci d'être là, je suis très très contente de voir qu'il y a autant d'élèves, c'est super. On a la chance d'avoir avec nous le seul artiste vivant du corpus du baccalauréat, donc c'est quand même un sacré privilège. Je rappelle bien que cet échange fait l'objet d'une captation en direct, donc on va essayer de ne pas dire trop de bêtises parce que sinon ça risque de se voir. Miguel, tu vas parler pendant une grosse heure de ton travail. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Une conférence qui s'appelle Nature et Artifice, je crois. Donc exactement, oui, oui. Donc bonjour à tous. Donc l'idée, bien sûr, c'est que je vais aborder davantage le propos qui est aussi lié au surnature, mais donc parce que effectivement mon travail couvre d'autres thématiques qui ne sont pas abordées ici, et donc ça va être un focus plutôt sur tout ce travail autour de la nature. Alors. Donc, avant de vous montrer différentes, comment je suis arrivé peu à peu à développer ce type de création, c'est au départ, j'ai fait l'école des Beaux-Arts, l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Donc, bon, malheureusement, mes cheveux blancs ne me rajeunissent pas vraiment, mais donc c'était en 78, et donc j'ai fait cette école qui était une école, bon, depuis ça a beaucoup changé, mais c'est une école qui a quand même été assez classique dans sa formation, et surtout qui n'était pas une école très ouverte au mode d'expression de l'époque, des années 70, qui était que déjà les artistes utilisaient des médiums qui n'étaient pas forcément que de la peinture, qui étaient déjà de la photo, de la vidéo, des performances, et donc cette école était à la fois, bien sûr, donne un enseignement de dessin, et j'ai passé mon diplôme en dessin, mais cette école était relativement assez décalée, je dirais, par rapport à la scène artistique de cette époque des années 70. Et bon, aussi, parce que parfois, je ne sais pas pour vous, mais donc le fait de vouloir être artiste pour parfois, comme c'était le cas avec mes parents. Donc mes parents me disaient, oh là là, mais tu sais, être artiste, quand j'ai souhaité dire à mes parents, je veux faire l'école des Beaux-Arts, tout ça, ils m'ont dit, oh là là, mais c'est un métier pas évident, et on connaît beaucoup d'artistes. Enfin, ils connaissaient un certain nombre d'artistes qui n'avaient pas exactement le succès escompté, donc du coup, forcément, essayer de me canaliser vers une autre école qui était l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et donc aussi le fait que cette école des Beaux-Arts n'était pas vraiment ouverte, disons, au mode d'expression de la photo. Alors le monde du digital n'existait absolument pas. Bon, on est un peu dans une antériorité, mais dans une histoire. Mais du coup, j'ai été, après avoir fait le diplôme, je suis rentré à l'École nationale supérieure donc des arts décoratifs dans un département très atypique, enfin atypique par rapport au fait que je voulais être artiste, qui est le design. Donc bien sûr, comme vous le savez, c'était aussi un peu sous l'influence de mes parents qui souhaitaient que finalement je fasse plutôt des arts appliqués. Je vous explique ça parce que c'est quand même, ça va déterminer un certain nombre de choses. Et donc là, il s'est trouvé que à cette École nationale supérieure des arts décoratifs, il y avait un enseignant tout à fait atypique qui s'appelle Roger Talon. Alors pour certains, vous ne devez peut-être pas le connaître, mais Roger Talon, c'est un designer qui est très visionnaire. On ne le connaît pas toujours, mais en fait, c'est lui qui est à l'origine du TGV, voilà, entre autres. Et surtout aussi, c'est lui qui a créé et fait la mise en page de Art Press. Donc il était bien sûr dans le monde du design, mais il avait une vraie ouverture avec le mouvement des nouveaux réalistes,
les nouveaux réalistes, c'est Yves Klein, Armand, César, enfin, un peu l'équivalent du pop art aux États-Unis. Et donc, c'était quand même quelqu'un de très ouvert. Et donc, il m'a aussi un peu... il voyait que mon travail était un peu à mi-chemin entre le design et le monde artistique. Et je vous explique ça parce que ce qui est aussi intéressant aux arts décoratifs, qu'on n'apprenait pas à l'époque aux Beaux-Arts, c'est que quand on réalise un objet industriel et qui n'existe pas, il faut avoir une vision en prospective, d'abord des matériaux, et outre les matériaux, il faut parfois il faut dessiner ou simuler l'objet que l'on va pour convaincre l'industriel ou l'entreprise qui vous commande un projet de pouvoir se l'imaginer avant même qu'il existe en tant que tel. Bon. Et donc ça, c'est un aspect aussi important que j'ai appris, qu'on n'apprenait pas à l'époque à l'École des Beaux-Arts, c'est-à-dire de créer des simulations. Alors c'était des simulations sous forme de maquettes, ça n'existait pas l'image en 3D, mais cette école des arts décoratifs avait l'avantage, un, qu'on utilisait la photo, deux, qu'on utilisait la vidéo, qui quand même préfigure le domaine du digital, et puis aussi des techniques qui étaient utilisées beaucoup par des artistes, un peu moins aujourd'hui, mais qui quand même étaient la sérigraphie. La sérigraphie, c'est un peu comme la lithographie, mais c'est un mode de reproduction à travers des écrans de soie, et des artistes comme Andy Warhol ou Martial Rice dans les nouveaux réalistes l'ont beaucoup utilisé au début des années, dans les années 60-70. Donc bien sûr, quand je suis sorti des arts décoratifs et que j'ai fait quelques stages dans des entreprises françaises comme Alibert, bon, ça vous dit rien, mais c'est les armoires de toilette, enfin bon, je me suis rendu compte qu'on était pris en étau entre les gens du marketing, les gens les ingénieurs pour pouvoir faire un produit qui puisse être optimisé en termes de coût, en termes d'esthétique, etc. Et que finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ma vocation d'être designer. Et c'est à ce moment-là que, il y a en France aussi, on a la possibilité, quand on est jeune, d'avoir souvent des bourses. Donc je sais qu'il y a où on peut aller en tant que jeune maintenant aujourd'hui, à Erasmus, voilà, qui permet aujourd'hui de faire des échanges dans différents. Et donc ça, c'est vrai que si vous pouvez bénéficier de ce type de bourse ou d'échange, c'est extrêmement enrichissant. Et là, j'ai postulé à l'époque, il y avait une bourse qui s'appelle la bourse Lavoisier, qui m'a permis d'aller aussi aux États-Unis. Et donc là, à l'époque, les écoles, parce que les arts décoratifs et tout ça, bien sûr, n'étaient pas, il n'y avait aucun à l'époque, aucune formation autour du monde de ce qu'on appelle l'infographie. La complexité, c'était aussi d'accéder à ces outils. Donc, bien sûr, en tant que, à la fois en ayant une formation d'art plastique, mais aussi de design, la difficulté, c'est de dire quelle est la voie qu'on va pouvoir prendre. Et en plus, dans le domaine des arts plastiques, c'était la complexité, c'est que quand vous avez probablement étudié à minima l'histoire de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, au fond, toute l'histoire des avant-gardes ont été toujours de pousser plus loin le rapport à la peinture pour la détruire en partie. Sans vous faire un cours d'histoire de l'art, c'est finalement à partir de l'invention de Nicéphore Niépce de la photo, les impressionnistes sont allés, comme Monet, non plus faire un travail de représentation, ou Cézanne, qui est ici un bon exemple, puisqu'il dit qu'il ne faut plus voir la nature telle que vous la voyez, il faut la recomposer par le carré, le cône et le cylindre. C'était déjà une façon
de déconstruire le rapport à la peinture pour ensuite, comme vous le savez, aller vers le cubisme, puis vers les ready-made et vers l'action painting. Enfin, et au fond, tout le XXe siècle, ça a été cette espèce de surenchère, en quelque sorte, mais parce que la peinture était aussi mise en concurrence par des autres modes de création. Et donc, je vais prendre quelques exemples pour montrer aussi que mon travail, bien sûr, en tant que jeune artiste, ne sachant pas exactement comment me positionner, si vous voulez, ou comment comment après toutes ces avant-gardes qui sont arrivées à la fin des années 70 à ce qu'on appelle l'art minimal, comment régénérer de nouvelles idées dans un domaine qui est quand même relativement très très expérimenté, enfin, ou comment, je c'est pas exactement le mot, mais au fond, les artistes, en faisant toutes les avant-gardes, ont tellement poussé loin le rapport à la peinture pour la détruire ou pour l'amener à une, par exemple, Yves Klein, si vous connaissez un petit peu son travail, il arrive au dernier maillon de la peinture en réduisant la peinture à des monochromes bleus. Fontana troue les tableaux et parle du concepto spatial, c'est-à-dire du concept spatial. Donc à partir de là, je me suis dit, mais il faut peut-être voir d'autres, essayer d'expérimenter d'autres domaines. Et le domaine du digital me paraissait, enfin, on commençait à parler de la société de l'information, de la société informatique, et c'est là que je me suis dit, mais peut-être il faudrait utiliser ces outils, non pas pour en faire leur apologie, mais voir les potentialités de ces outils. Alors, avant de vous parler de ça, je ne sais pas si on peut passer le diaporama. Voilà. Bien sûr, quand on regarde l'histoire de l'art, on s'aperçoit qu'à chaque époque, les artistes utilisent les moyens de leur temps. Et au fond, je prends un exemple parmi tant d'autres, mais l'artiste Man Ray m'intéressait à plus d'un titre, parce que Man Ray, comme vous le savez, a utilisé la photo sous toutes ses formes, mais surtout il l'a expérimenté, il a montré les spécificités de la photographie, par exemple en prenant ce qu'on appelle des rhéogrammes, c'est-à-dire où vous prenez un papier sensible et vous le mettez sous un projecteur, enfin, avec des objets, et ensuite on a des photos uniques. Donc, et c'est comme ça que peu à peu, lui et d'autres, il n'y a pas que lui, mais on commençait à montrer que le médium photographique, qui n'était pas, vous savez, au 19e siècle, la photo était déconsidérée, ou enfin était considérée comme un mode de reproduction rapide, bien sûr, qui concurrençait la peinture, mais pas comme un mode artistique. Et donc peu à peu, certains artistes photographes ont montré que ce médium, ce n'était pas que parce qu'on utilisait un appareil photographique qu'on pouvait pas avoir un travail de composition, de forme, etc. Et donc peu à peu, Man Ray fait partie aujourd'hui d'une histoire, mais comme d'autres dans la photo. Et ensuite, je vous prends un autre exemple qui est alors plus récent, bien sûr, cet artiste coréen qui s'appelle Nanjun Paik. Nanjun Paik, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, il y a Bill Viola, etc. Mais se sont emparés, quand la vidéo est apparue, ils se sont emparés aussi de la vidéo, et peu à peu, ils ont créé des installations. Alors à l'époque, c'était avec des écrans souvent de grande taille, etc. Et donc peu à peu, ils se sont inscrits dans une historicité du XXe siècle. On pourrait prendre aussi dans le monde du cinéma. Il y a eu beaucoup de films expérimentaux, et on sait qu'aujourd'hui, le cinéma aussi est un art en soi. Voilà. Tout ça pour dire qu'au fond, je me suis dit, il faudrait travailler entre le monde de la photo, le monde de la peinture, le monde de la vidéo. Et la difficulté, c'est que dans les années, donc quand je suis sorti de l'école des Beaux-Arts en 83, la difficulté, c'était d'accéder à ces outils. Et
Et les seuls outils qui existaient, parce qu'ils étaient extrêmement onéreux, bon, aujourd'hui ça s'est beaucoup démocratisé, et ça s'est démocratisé à la partir de la fin des années 80, mais dans les années 83, 84, les seuls moyens d'accéder à des ordinateurs, c'était ce qui détenait les ordinateurs, c'était les centres scientifiques, donc le CNRS, ou les chaînes de télévision. Et donc, la difficulté, c'était... moi, je n'avais pas une formation de scientifique, donc à partir de ce moment-là, c'était très difficile. Et bon, la chance a fait que j'ai peu à peu... parce que chaque fois qu'on voulait aller, on vous disait, mais c'est des machines très onéreuses, vous ne savez pas les utiliser, donc vous pouvez... vous risquez de les endommager, etc. Et finalement, j'ai eu, par la complicité d'un ingénieur qui s'appelle Serge Equilbé, j'ai réussi qui avait aussi de la sensibilité artistique, parce qu'il faut le dire, c'est parfois il y a des scientifiques qui ont aussi une certaine sensibilité, donc m'a donné accès de minuit à 6 heures du matin à ces outils, qui étaient pas aussi grands que cette salle, mais de la moitié de cette salle, et qui étaient moins puissants, bien sûr, aujourd'hui qu'un smartphone. Mais bon, donc à partir de ces outils, j'ai commencé à... j'ai oublié de vous mentionner que, outre le fait de m'intéresser à des artistes comme Daniel Beck, je me suis aussi intéressé à... Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, à des artistes aussi qui m'ont influencé, parce que, bon, il se trouve que j'ai un prénom espagnol, mais parce que je suis né au Mexique de parents français. Et donc, au Mexique, il y a un rapport à la couleur qui est très fort, mais aussi, il y a des artistes que vous connaissez peut-être pas, mais qui s'appellent les artistes muralistes. C'est Diego Rivera, David Siqueiros, et c'est des artistes aussi qui m'ont beaucoup influencé, dans le sens que c'est des artistes qui... ont travaillé le rapport à l'espace et à la monumentalité, et qui, à un moment donné, ont souhaité aussi, bien sûr, ils exposaient dans des centres d'art, des musées, enfin, même s'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais ils ont voulu aussi, ils ont avec des idées très politiques, mais ils ont créé des œuvres souvent à l'échelle urbaine. Alors aujourd'hui, il y a un peu le street art, tout ça, mais ils étaient avant ça dans un rapport d'utiliser les murs et de faire des fresques de très grande taille. Et donc ça m'a intéressé parce que j'ai toujours eu aussi ce goût pour la monumentalité. Voilà. Et donc je reviens un peu à cette histoire après d'accessibilité. Donc j'ai pu accéder la nuit à des premiers ordinateurs, et donc au début j'ai travaillé sur quelque chose qui est un peu une archéologie bien sûr, mais qui était donc un travail entre photo et peinture. Et donc à l'époque on utilisait beaucoup, ça se fait plus du tout, mais on utilisait des diapositives. Donc des diapositives, c'était des photos qu'on mettait dans des carrousels. Et un peu comme un vidéoprojecteur, on pouvait passer des diapositives. Et donc ces diapositives, je repeignais dessus. Je grattais sur la pellicule et je repeignais dessus. Et au début, parce que quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, j'ai travaillé beaucoup au jardin des plantes, et je me suis intéressé aux serres, les serres botaniques. Les serres botaniques, c'est intéressant parce que c'est un espace artificiel. C'est un espace avec une architecture aussi qui a été construite au 19e siècle, qui était une architecture de la performance avec le fer et le verre. On a commencé à faire le Crystal Palace, le Grand Palais et les serres. Et les serres, outre le fait que c'est une architecture de la performance, ce qui m'intéressait dans les serres, c'est que... aujourd'hui, on utilise beaucoup les serres pour cultiver aussi bien des fleurs que des légumes, etc. Donc, il y a cette notion de l'artificialité, de faire pousser dans des espaces restreints des plantes. Mais aussi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ici, on retrouve quelque chose qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'art. Enfin, pour moi, cette image de la serre, elle synthétise un peu des éléments
qui ponctue toute l'histoire de l'art, qui est le problème du classicisme et du baroque. C'est-à-dire quand on va dans quand les artistes travaillent de manière classique, au bout d'un moment, on se lasse du classique et on tend vers des univers beaucoup plus baroques, beaucoup plus organiques. Et il m'a paru intéressant dans cette image d'avoir ce double jeu entre, d'un côté, la structure donc de fer et de verre qui serait plutôt de l'ordre du classique et du construit, et du rationnel, par rapport à un univers organique qui est plutôt de l'ordre du baroque. Et alors, au début, donc, j'ai, en accédant à ces premiers ordinateurs, j'ai numérisé cette première peinture photo, entre guillemets, et là, je me suis aperçu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que finalement, on retrouve cette image de base que vous avez vue, mais je me suis aperçu qu'au fond, avec le digital, on pouvait être très proche d'un artiste comme Seurat. Alors, vous savez que Seurat, c'est intéressant parce qu'il s'est inspiré des théories de Chevreuil sur la diffraction de la lumière. Et au fond, il préfigure ce qui se passe sur un tube cathodique. Si vous regardez un écran, en fait, c'est des milliers de points. Alors après, je vais parler de la suite. Si on agrandit ces points, on va arriver au pixel. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, je me suis aperçu, en travaillant avec ces premiers outils, qu'il y avait des tas de précurseurs qui, sans savoir qu'un jour le monde de l'informatique viendrait, au fond, le préfigurent. Donc, bien sûr, ils ne l'avaient pas prévu, mais par intuition, ils arrivaient à ça. Et à partir de cette image, ce qui est intéressant dans le digital, c'est qu'on peut gérer l'image dans ce que j'appellerais sa chair, c'est-à-dire entre ce qui est le noir et le blanc, vous avez un certain nombre de valeurs de gris, et ces valeurs de gris, vous pouvez les traiter. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il existe des logiciels qui ont des filtres comme Photoshop, mais on est en 82 et Photoshop n'est apparu que, enfin, le logiciel Photoshop que je pense que vous connaissez, qui est un outil bien sûr, mais cet outil il est apparu à partir de 88-89, donc c'était un petit peu avant. Et donc ce qui m'a intéressé au début, c'est de faire tout un travail sur la variation de l'image, au fond comme Monet travaillait sur l'idée du temps et essayer de capter le rapport à la lumière. Et donc du coup ici on travaille avec de la lumière, en fait on joue avec la lumière, et ce qui m'intéressait, l'intérêt aussi que j'avais, c'est que créer aussi, comme c'est le cas ici dans cette image, on peut avoir cette notion de relief, de trompe-l'œil, donc on donne un aspect de matière alors qu'il n'y a pas de matière. Et donc, il y a eu tout un travail comme ça. Alors, je vous en ai pris quelques exemples de ce travail que j'ai fait sur cette série qui s'appelle Le Baroque et le Classique, et sur toutes les variations possibles, et qui n'est pas comme Warhol qui répète la même image et qui change la couleur. Là, on est dans un travail qui analyse la structure même de ces images. Et bien sûr, comme vous le savez, donc c'est une évidence, mais aujourd'hui, donc l'image numérique n'est plus constituée de points, mais de pixels. Et vous savez que toute l'histoire de la peinture, ça a été la déconstruction, mais dans les années 60, des artistes comme Roy Lichtenstein dans le pop art, mais l'équivalent dans l'art des nouveaux réalistes, ça a été, avec Alain Jacquet, d'analyser l'agrandissement de la trame, offset, et donc du point. Et ici, on n'est plus dans une... Finalement, la touche picturale du digital n'est plus les points, mais les pixels. Et là aussi, bon, vous connaissez bien sûr Mondrian, et ce qui est intéressant, c'est que Mondrian, il est parti d'un travail au départ très figuratif, notamment autour du thème de l'arbre. L'arbre, ça a des racines, ça puise dans une histoire, ça se développe, et finalement il a fait tout un travail de déconstruction de l'image qui l'a amené à radicaliser sa peinture pour être avec les trois couleurs primaires qui sont le rouge,
le jaune et le bleu, qui sont les couleurs additives, hein, alors que là, on travaille plus dans des couleurs additives, mais vous savez qu'on travaille dans des couleurs soustractives, c'est-à-dire que plus on va mettre de la couleur avec des pigments, plus on va foncer sa toile, et là, plus on travaille avec un ordinateur, on travaille avec la lumière, on est avec le rouge, le vert et le bleu, et donc on va tendre vers le blanc. Donc, tout ça pour dire que effectivement, Mondrian aussi, quelque part, à la fin de sa vie, il a développé ce travail qui s'appelle les boogie-woogie, qui préfigure cette notion du pixel, au fond. Hein. Voilà. Donc, bon, mon idée n'est pas de faire un cours d'histoire de l'art, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir que parce que pour beaucoup de personnes, le digital est en rupture avec le champ de la peinture. Et pour moi, au contraire, ce travail se situe dans une continuité des choses. Et plus on va aller vers augmenter le rapport à la couleur, plus on va tendre vers le blanc, plus on va vers la disparition de l'image. Et donc, du coup, les premières œuvres que j'ai présentées... Alors, donc, ce travail, il a commencé en 83. Il s'est amplifié parce que j'ai pu aller aux États-Unis. Il y a pu avoir les premiers ordinateurs dans les écoles d'art, ce qui n'était pas le cas en France. Bon, ensuite... Après, à la fin des années 80, les ordinateurs se sont démocratisés et donc la plupart de nous tous, on a pu, enfin ceux qui avaient cet âge dans les années 80 qui avaient une trentaine d'années, ont pu accéder à ces outils. Et donc j'ai commencé à avoir les prémices, parce qu'au début, bien sûr, c'était une traversée du désert. Mes parents me disaient, mais est-ce que tu penses que persévérer dans ce domaine du numérique, ça paraissait un petit peu, les gens se disaient, mais cet artiste, il a un peu trop fumé, il veut faire des œuvres avec un ordinateur, mais ce n'est pas de l'art, c'est que de la technique. Voilà, il y avait tout cet aspect. Et le monde artistique était extrêmement réfractaire. Et moi, je disais, mais oui, mais regardez, la photo, c'est devenu à terme un mode d'expression artistique, la vidéo aussi. Donc, le digital, avec le temps, si on apporte des contenus, on devrait pouvoir développer des œuvres qui s'inscrivent dans une continuité de ce qui s'est développé. Et puis pour moi, c'est, il faut le dire, c'est, tout à l'heure, je vous ai un peu dit, tout ce qui m'a poussé à aller vers le champ du numérique, c'est parce que je ne voyais pas comment régénérer de nouvelles idées dans le champ des arts plastiques. Non pas que je n'aime pas les arts plastiques, bien sûr, vous pouvez continuer à peindre et faire des choses très sensibles, mais ce n'est pas facile de régénérer de nouvelles idées dans un domaine qui a été relativement très expérimenté. Voilà, mais ça, c'est mon sentiment. Alors, il y a encore des artistes qui font des choses de qualité en peinture, bien sûr, mais ce n'est pas simple, et aujourd'hui, c'est peut-être en travaillant sur l'hybridation des techniques, des médiums, etc., qu'on peut trouver peut-être une écriture. Mais bon, ça, c'est un vaste débat. Et à la fin des années de 83, quand je suis sorti de l'école des arts décoratifs et des beaux-arts, donc j'ai pu exposer qu'à la fin des années 80. Voilà. Et donc les premières œuvres étaient en sérigraphie, parce qu'on n'avait pas de, il n'y avait pas de moyen de les reproduire dans le grand format. Il y avait beaucoup de la photographie, et donc c'était des pièces un peu comme des listings, des pièces séquentielles, en variation bien sûr, comme je vous le montrais tout à l'heure. Et puis j'avais fait les premières installations. Alors, à l'époque, les écrans étaient plus grands, donc c'était une mini-serre. Et j'avais, bon, je vais vous montrer un tout petit extrait. J'avais fait un travail donc qui est là, et entre analogique, c'est-à-dire vidéo, et numérique. Et donc c'est comme un petit voyage. Donc c'est les premiers types de création. Et puis je me suis aussi beaucoup intéressé, bien sûr, outre l'image, je me suis intéressé beaucoup à ce qui sous-tend l'image. Et donc j'ai fait un peu
ce que j'ai appelé des fenêtres mémoire, c'est-à-dire vous allez dans la mémoire de l'ordinateur, des fenêtres mémoire hexadécimales, et du coup j'ai fait des œuvres sur l'envers du décor, c'est-à-dire au fond ce qui sous-tend ces images, et puis j'ai été amené à développer des œuvres aussi beaucoup, alors les gens étaient très étonnés, bon maintenant ça paraît une évidence que toutes ces images sont des œuvres avec binaire, avec des 0 et 1. Et là, bon, j'ai montré une pièce parce que bon, j'ai eu parmi la difficulté aussi dans ce monde de l'art, c'est comment persévérer. Et donc, il faut parfois que quelques collectionneurs, mécènes, puissent vous aider à poursuivre cette recherche. Et là, donc, je vous ai montré, j'ai mis cette photo parce qu'elle me paraissait intéressante. Parce que j'ai eu la chance d'avoir ces mécènes qui sont les Durand-Ruel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Durand-Ruel, la famille Durand-Ruel a joué un rôle très important à la fin du 19e siècle parce que ce sont les marchands, entre autres, de Renoir, mais aussi beaucoup de Monet. C'est eux qui ont œuvré pour faire diffuser Monet, pas que en France, puisqu'ils ont créé une galerie à Londres et puis ensuite à New York, et c'est par ce biais de cette galerie Durand-Ruel que Monet entre autres a pu irriguer son travail et s'imposer en tant qu'artiste au-delà de l'Hexagone. Et donc là, cette famille continue à aider, à soutenir des artistes. Et surtout des artistes alors qui étaient plutôt des années 60, 70 et 80, mais qui étaient plutôt liés au pop art et au nouveau réalisme. Alors là, ce qui est amusant, c'est que bon, comme ils n'ont pas assez de place, donc on a fait ce paravent de 0 et 1, de binaire, en variation. Et donc il y a des œuvres devant d'un artiste de nouveau réaliste qui s'appelle Raymond Hinz, avec ses caddies, donc qui étaient quand même très représentatifs de cette société de la consommation, comme Rosenquist qui est derrière. Et voilà, bon, il y a Armand qui est sur le côté droit. Voilà. Voilà. Et donc je vous montre aussi donc ce travail aussi sur que j'ai développé beaucoup autour de cet univers des codes binaires. Et donc c'est une petite vidéo. Internet n'existait pas, il faut le dire. Bon, ça paraît un peu invraisemblable, mais on était en 88. Internet n'existait pas. Donc les seuls systèmes qui étaient interconnectés au monde, c'était les places financières, les places boursières. Donc en fait, cette œuvre parle de ce monde du digital qui était par la finance, si vous voulez, et donc qui est un peu comme un cœur qui bat et qui rythme notre quotidien. Donc c'est une vidéo qui mélange des univers en deux dimensions, les premières images de synthèse en 3D. Et donc c'est une petite vidéo et voilà. Voilà les premières images de synthèse en 3D. Donc les 0 et 1 sont comme une pulsion, comme un cœur qui bat. Bon, tout ça paraît un peu de l'archéologie au vu de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui même avec un portable, mais bon, je l'ai mis pour vous donner une idée de cette idée au fond que comment on pourrait rentrer la tête dans un ordinateur et voir un peu son fonctionnement. C'était un peu ça l'idée. Donc il y a aussi tout ce rapport que les artistes beaucoup des années 60 ont développé en mettant des caméras directement devant l'écran. C'est ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire ça renvoie l'image et ça crée des couches d'images comme ça.
Donc c'est pour ça qu'on voit en arrière-plan parfois, vous allez voir des gens derrière des ordinateurs. Et donc c'était l'idée déjà qu'on était de plus en plus dans un monde écranisé, dans un rapport à l'écran. Donc les premiers portables. Et là, bien sûr, par rapport aux autres projets que je vais vous montrer aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un monde qui télescope à la fois les images vidéographiques et digitales, en quelque sorte. Et c'est un peu comme un virus qui se déploie. Et j'avais aussi demandé pour cette musique à un compositeur qui s'appelle Fred Walisch de faire la musique. Donc il m'arrive aussi de travailler pas mal aussi avec parfois de créer des passerelles, puisque des artistes comme Xenakis et autres ont aussi créé ces passerelles entre images et enfin plutôt composition et images. Et là c'était vice-versa, images et composition musicale. Alors. Donc les ordinateurs. Alors donc effectivement avant les années 80, c'était totalement impossible de créer, ou alors il y avait quelques artistes parfois qui arrivaient à faire des œuvres temps réel, mais c'était extrêmement difficile de créer des œuvres qui s'autogénèrent, comme j'ai pu le développer ensuite. Mais donc au début des années 90 apparaît les premiers. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose, mais Atari, les premiers Macintosh avec MacPaint, etc., mais qui étaient des petits logiciels. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, ah, mais on va pouvoir créer des œuvres qui vont, avec lesquelles on va pouvoir interagir. Et donc, j'avais fait une œuvre qui s'appelait Pensée numérique. Donc, bon, c'était avec un trackball. Et donc, c'était des images en deux dimensions. Et on pouvait, comme ça... les modifier un peu comme ce que je vous ai montré sur ce thème de la serre. On pouvait travailler sur la variation de la couleur, le modifier, et c'est ce qui m'a peu à peu amené à faire donc les premières œuvres temps réel, c'est-à-dire des œuvres avec un ordinateur et qui pouvaient se modifier et se transformer. Et puis dans les années, au milieu des années 90, je me suis aperçu que à l'INRA, c'est l'Institut National de Recherche en Agronomie, ils développaient des simulations de plantes. Ils simulaient comment des plantes pouvaient pousser dans des climats arides ou dans des climats très humides. Et en fait, donc ils analysaient tout le processus de pousse à partir d'une graine, et ensuite comment cette plante pouvait se développer, donc avec des paramètres de chaleur ou au contraire d'humidité. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je pourrais peut-être créer un herbier avec des plantes qui n'existent pas, mais qui sont calquées sur des formes comme on peut les voir dans la nature, et comment certains scientifiques en agronomie peuvent les étudier. Et c'est comme ça qu'est arrivé à la fin des années 90, la possibilité aussi, parce que quelque chose qu'on oublie, c'est que tous les jeunes de l'époque étaient aussi enthousiastes par les jeux vidéo. Bon, je pense que vous l'utilisez encore beaucoup, les jeux vidéo, mais les jeux vidéo demandaient des capacités de calcul très importantes. Et donc, du coup, ils ont augmenté la puissance des calculs des ordinateurs, et c'est ce qui m'a permis de créer les surnatures. Donc c'est un herbier qui est constitué de 18 graines. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces graines vont pousser, se développer, mourir, et quand elles vont mourir, elles vont créer des variations en termes de croissance. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'est ce que je trouvais très... Enfin, pour moi, quelque chose de très spécifique du digital, c'est-à-dire qu'on pouvait créer des œuvres qui ne sont plus en boucle comme de la vidéo, mais des œuvres qui sont auto-génératives.
Alors il y a une partie qu'on paramètre, mais ensuite, une fois que l'ordinateur que l'ordinateur crée ses plantes, il joue un peu au dé et chaque fois il crée des combinatoires, et du coup c'est ce qui fait que après il y a une partie qui m'échappe puisque l'ordinateur les gère en termes de taille et de croissance et de forme. Après je les paramètre pour qu'elles sortent pas de manière exponentielle hors de l'écran, mais elles sont contraintes dans un espace, mais au départ c'est ça l'idée de et donc c'est comme ça que au début j'ai commencé à créer des premières graines virtuelles. Donc il y a aujourd'hui des amateurs qui achètent des graines virtuelles pour chez eux, donc ils vont pousser, se développer, mourir, et ils vont avoir une œuvre qui se transforme dans le temps. Alors vous voyez bien là l'idée par rapport à Monet, qui lui-même travaillait l'idée du temps, la variation à travers des œuvres, des multiples, des séries, mais au fond on a cette idée là d'une œuvre qui travaille le rapport au temps. Et donc, à partir de cet herbier, comme un paysagiste ou un jardinier, je vais pouvoir composer des jardins de lumière qui vont s'auto-générer, se transformer dans le temps. Voilà. Donc ça, c'était... Alors, il y a, bien sûr, ce n'est pas des fleurs très réalistes, c'est des fleurs stylisées, c'est des fleurs... qui est aussi une, c'est un peu ce que moi je trouve intéressant, c'est de montrer la spécificité du digital, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle des structures filaires, et les structures filaires ça serait un peu comme les squelettes d'une plante, ou quand vous prenez une feuille de marronnier, vous enlevez au fur et à mesure, vous avez comme dans une feuille de marronnier, on a une structure qui est nervurée, et c'est un peu ça que j'ai mis aussi en exergue dans les. Et outre le fait donc de créer ces jardins, c'est qu'on va pouvoir interagir avec ces jardins. Donc j'ai commencé à développer un logiciel qui permet d'interagir avec ces jardins. Et donc à partir de 2000, à la fin des années, au début des années 2000, j'ai commencé à pouvoir créer des installations, et c'est comme ça qu'est arrivé les surnatures ou ultra-natures quand elles sont à l'étranger. Donc voilà. Donc vous, peut-être vous connaissez déjà cette vidéo qui date un peu, bien sûr, puisqu'elle est de 2004, elle a 20 ans, mais c'est ça qui m'a le plus intéressé dans le digital, c'est-à-dire non pas de dessiner des jardins, mais d'avoir des jardins qui sont comme une forme de vie artificielle, qui s'autorégule. Alors parfois, c'est des jardins très, très luxuriants, très baroques, comme dirait Christine Bussy-Glutzmann, un baroque technologique, mais ça peut être aussi parfois, et ça je ne le maîtrise pas complètement, puisque quand une plante meurt, il en pousse immédiatement une autre, mais pas dans l'espace que j'ai défini. C'est-à-dire que, je l'ai défini dans un espace, mais je ne sais pas exactement où elle va pousser dans cet espace. Et c'est ça qui fait, du coup, la spécificité du digital, pour moi, c'est cette possibilité de créer des univers qui s'auto-transforment dans le temps. Aujourd'hui, c'est devenu un peu la tarte à la crème, le mapping, mais quand j'ai commencé à faire des mappings, parce que je me suis dit, il faut sortir du rapport de l'écran pour se développer à l'échelle d'un espace, d'un centre d'art ou d'un musée, mais aussi, pourquoi pas, comme les muralistes mexicains, de se développer à l'échelle de l'espace public. Et c'est comme ça que, du coup, aujourd'hui, c'est très évident de pouvoir connecter plusieurs vidéoprojecteurs ensemble, mais à l'époque, c'était quand même c'était un peu un tour de force de pouvoir mettre connecter plusieurs vidéoprojecteurs et donc se développer à l'échelle d'un espace public. Donc là, c'était sur les Champs-Élysées.
et d'avoir une œuvre qui n'est pas une œuvre comme un mapping justement qui dure 5 minutes, mais vous revenez demain, après-demain, vous avez des variations qui se créent. Et puis là, on voit une personne qui marchait, qui commençait à comprendre ce que c'était que l'interactivité. Parce qu'au début, quand je parlais de l'interactivité dans les années 90, les gens ne comprenaient pas une interface interactive, qu'on pouvait interagir sur l'œuvre. Donc, ça paraissait complètement saugrenu. Mais après est arrivé donc 2004, c'est les premiers portables. Et donc, tout ça a considérablement changé le rapport que l'on avait à l'image et à tout ce que vous savez aujourd'hui sur ce domaine-là. Mais l'inconvénient des surnatures, et que j'ai développé avec deux informaticiens qui s'appellent Music to Eyes, c'est que c'était limité. Bon, d'abord, les plantes, quand elles mouraient, elles disparaissaient tout de suite. Moi, je voulais qu'elles essaiment, qu'elles se transforment. Et du coup, j'ai rencontré un autre informaticien qui s'appelle Cyril Henry. Parce que vous l'aurez compris, au début, j'ai commencé à créer mes propres programmes un peu. Mais après, je me suis aperçu qu'il y avait des informaticiens qui étaient beaucoup plus doués que moi pour écrire des algorithmes plus puissants. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que si on ne... Pour créer ces logiciels, il faut leur donner, enfin donner toute des directives pour que le logiciel puisse ensuite me permettre de créer toutes les variations possibles. Donc c'est un outil avec lequel je collabore avec, en l'occurrence, des informaticiens. Mais ces informaticiens, je leur décris comme un scénario, si vous voulez, ce vers quoi je veux arriver. Alors après, il y a un travail qui s'affine au fur et à mesure avec le temps. Et c'est comme ça que j'ai été amené à développer un logiciel beaucoup plus élaboré, avec aussi les moteurs informatiques, parce que maintenant, comme vous savez, à partir de 2004 ou 2000, c'est aussi 2004, c'est la fondation de Facebook, hein, donc qui n'est apparu qu'en 2006 exactement. Et là, il commençait à avoir des logiciels open source. Donc, du coup, j'ai pu aussi avoir des moteurs informatiques beaucoup plus puissants, dont un moteur qui s'appelle le Pure Data, mais il y en a d'autres. Il y a Unity aussi qu'on utilise actuellement. Et j'ai développé les Fractal Flower. Alors, les Fractal Flower, comme son nom l'indique, les fractales, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des algorithmes qui ont été aussi beaucoup développés par un mathématicien dans les années 60, qui s'appelle Benoît Mandelbrot, entre autres, parce qu'il n'y a pas que lui, mais c'est lui qui les a mis en exergue, c'est lui qui s'est intéressé à ces structures très spéciales qu'on retrouve à travers le chou negresco, c'est-à-dire à différentes échelles, vous retrouvez la même structure. C'est aussi comment analyser la structure des nuages ou de la côte bretonne. Et donc les fractal flowers sont des plantes beaucoup plus qui sont entre le monde bien sûr végétal, mais inspiré du monde aussi minéral et robotique. Et donc j'ai créé un nouvel herbier. Et cette herbier, alors elles ont toutes des noms. Hein. Il y a la Lilius arithmeticus, dite d'Euclide. Il y a la belladonna. C'est tout un peu des fleurs du mal, hein, en hommage à notre cher poète. Et donc cet herbier. Donc, il va y avoir des œuvres fixes qui montrent un peu tout ce rapport du cycle de la nature, c'est-à-dire depuis sa naissance jusqu'à son apogée, puis sa dégénérescence. Et donc, on voit certaines de ces pièces comme ça exposées. Donc, ça, c'est des œuvres fixes, bien sûr. Ensuite, il y a des œuvres sur écran, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est la suite des surnatures. Et puis il y a eu cet herbier qui s'appelle l'herbarius. L'herbarius, c'est intéressant parce que c'est un mélange entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire c'est un vrai livre, c'est comme un grand livre de messe. Et l'herbarius, c'est un hommage. En fait, l'herbarius, c'est les premiers herbiers qui ont été créés au XVIe siècle.
où on a commencé, les scientifiques ont commencé à répertorier les plantes, à décrire d'où viennent ces plantes, à quelle période elles poussent. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 12 fractal flowers et j'ai travaillé avec un écrivain qui était visionnaire aussi, parce qu'il est à l'origine, il s'appelle Jean-Pierre Balpe, et bon, on ne le connaît pas beaucoup aujourd'hui, mais vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant, parce que Jean-Pierre Balpe, il a créé des générateurs d'écriture. Alors c'est quoi un générateur d'écriture? En fait, c'est des dictionnaires, des structures de phrases grammaticales, et ensuite, donc on a nourri ce générateur avec différents herbiers de différentes époques, depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, en fait, l'ordinateur va générer des textes qui vont expliquer les capacités hallucinogènes de ces plantes qui n'existent pas. Mais alors, bon, maintenant, vous connaissez bien sûr ChatGPT, mais au fond, ce générateur d'écriture qu'on a développé dans les années 80, dans les années 2008-2009, qui a été présenté au Musée de la Nature et de la Chasse à Paris, au fond, c'est plus simpliste, mais c'est ce qui a été développé avec ChatGPT de manière plus puissante, mais c'est le même principe, si vous voulez. Voilà. Voilà, et donc on voit donc les plantes. Alors c'est un vrai livre blanc, si vous voulez, et il y a un vidéoprojecteur qui est au-dessus et qui va donc éclairer ces pages et avec ces textes. Voilà. Alors c'est des textes un peu amusants, si vous voulez, qui vont vous décrire où est-ce que vous allez pouvoir trouver ces plantes dans des lieux impossibles. Il faut aller sur la Lune, elles vont vous donner l'amour pour toujours. Mais c'est des textes assez drôles, si vous voulez. Et donc, chaque fois que vous tournez la page, il y a un nouveau texte et il y a l'heure à laquelle elle a été écrite et le jour. Voilà. Et donc, si on ne prend pas une photo, le texte disparaît. Alors, vous pouvez retrouver ici et là des éléments qui vont se recouper, mais chaque fois, ça crée un texte différent. Alors, bien sûr, comme les surnatures, ultranatures, les fractal flowers peuvent faire l'objet de jardins virtuels. Et ces jardins, en l'occurrence, là, c'était présenté à la Cordaria à Lisbonne. Donc, la Cordaria, c'était là où on faisait les cordes à l'origine. Donc, c'est des espaces assez vastes. Et donc, les fractal flowers, quand elles meurent, elles deviennent énormes. Elles deviennent comme des nuages. Et ensuite, elles essaiment. Et ce qui est intéressant des fractal flowers, c'est qu'elles s'hybrident entre elles. Donc, il m'arrive de découvrir de nouvelles espèces que je n'ai pas imaginées. Et donc après il faut absolument les répertorier comme un botaniste, et donc peu à peu donc l'herbier grossit au fur et à mesure du temps, et donc du coup aujourd'hui j'ai à peu près 100 fractal flowers, un peu moins de 100 fractal flowers, j'en ai 95, quelque chose comme ça. Et donc chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'elle crée des variations, mais pour les répertorier, les nouvelles, il faut vraiment qu'elles soient différentes de celles qui ont été déjà créées. Voilà. Mais donc il y a un parti qui m'échappe, mais qui m'intéresse aussi comme une forme de continuité, si vous voulez, comment la machine peut auto-produire des variations qu'on n'a pas imaginées. Mais au départ, quand même, il a fallu mettre les ingrédients pour que la mayonnaise puisse prendre, si vous voulez. Alors, je vous rappelais, je vous avais parlé aussi de la serre que j'avais créée dans les années 89. J'ai fait de nouvelles serres. Donc là, c'était présenté à la Biennale d'Istanbul. Et donc, c'est une serre où on ne peut pas rentrer dedans, mais les plantes poussent sont projetées en quelque sorte sur les parois et les gens peuvent tourner autour. Et donc là aussi, c'est une pièce auto-générative
et interactive, parce qu'il y a des capteurs qui détectent les personnes et elles se courbent devant eux. Voilà. Alors, quelque chose aussi qui, moi, m'intéresse, enfin, un des axes qui m'a beaucoup intéressé, que je continue et qui a persévéré dans cette spécificité, c'est que la plupart des personnes qui me connaissaient me disaient « Ah oui, mais tu fais que des projets virtuels. » Et ben, aujourd'hui, on peut matérialiser le virtuel, comme vous le savez, avec les imprimantes 3D. Donc la Lilus Arithmeticus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on la voit ici sous forme de cycle de la vie. On part de la graine qui pousse, qui se développe, et puis donc on a ces sculptures. Voilà. Alors il y a même aussi aujourd'hui des pièces qui sont en couleur, enfin des sculptures en 3D avec des dessins feu robot qui les dessine. Donc ça a été présenté cette année à la Kunsthalle de Munich. Actuellement, il y a eu une expo aussi en Corée. Ou alors, il y a toutes les j'avais présenté 15 espèces différentes des fractal flowers, et il y a leur matérialisation sous forme de sculpture. Donc au fond, on matérialise un univers algorithmique. Voilà d'autres exemples aussi de la belladonna. La belladonna, vous savez, c'est aussi un poison. Donc c'est pour ça que je parlais des fleurs du mal. Voilà. Et aujourd'hui, je peux faire des pré-maquettes, en quelque sorte, en impression 3D. Et ensuite, donc ces maquettes, peuvent se réaliser sous forme de sculpture. Donc là, c'est à la Fondation Clément en Martinique. Donc ce qui est un peu différent de la démarche de la plupart de certains des artistes aujourd'hui qui partent du réel pour le virtualiser à partir de scans en 3D. Là, on part d'un univers qui est virtuel et qui redevient réel. Voilà. Donc c'est un peu un processus inverse, si vous voulez. Donc voilà cette grande fractal flower rayonnante. La nuit, elle est un peu comme... elle irradie, voilà, avec de la lumière. Alors, après les fractal flowers, j'ai voulu poursuivre les surnatures, mais avec donc un logiciel aussi plus élaboré en termes de plus diversifié que ce que je pouvais faire avec les surnatures. Et donc, c'est un nouvel herbier qui s'appelle Extra Natural. Et Extra Natural, apporte beaucoup plus de diversité dans les formes. Et puis, quand les fleurs meurent, elles sont différentes dans leur processus de disparition. Donc, elles essaiment beaucoup plus. Donc, ça donne un résultat un petit peu différent en termes d'esthétique, en termes de visualisation. Et donc, elles ont fait l'objet d'une première exposition en 2018 au Grand Palais. Et donc, dans des espaces qui étaient très en hauteur, donc c'était un peu comme des fenêtres, donc on les voit. Et donc, il y a des sols, très souvent je mets des sols très brillants qui ont un effet comme de miroir, donc qui amplifie l'installation. Et donc, je crois qu'il y a une petite vidéo de ça. Voilà. Voilà, et donc ces œuvres aussi permettent d'interagir, ce qui est aussi quelque chose qui était impossible avant avec les autres médiums, non pas que je désapprouve les autres médiums qu'on connaît de vidéo, mais on est plus dans un rapport de passivité, alors que là, on peut interagir et modifier un peu l'œuvre en tant que telle, ce qui est un des aspects aussi du digital que ne permet pas les autres médiums.
Voilà, et donc là aussi, comme les surnatures, on a une œuvre qui se transforme dans le temps, se modifie. Donc il y a tout ce jeu de la couleur, des transparences. Alors, la façon aussi, moi, aujourd'hui, ce que je suis amené à développer aussi, c'est donc d'autres types d'œuvres dans l'espace public, mais pas toujours dans un rapport à la verticalité. Il m'intéresse aussi de travailler le rapport au sol, ou parfois dans des lieux aussi patrimoniaux, je m'intéresse aussi aux aspects des voûtes, etc. Et donc c'est aussi une autre façon d'avoir une autre sensation par rapport à la création. Et donc là, ça s'appelle Flower Power. Et donc l'idée, ça c'est à Aarhus et au Danemark. Donc j'ai proposé une structure, donc c'est des œuvres événementielles, c'est des œuvres qui sont sur 15 jours, et donc c'est comme des parterres de fleurs, donc là c'était des fleurs inspirées qu'on trouvait particulièrement au Danemark, et donc les fleurs sont projetées au sol, et donc ensuite il y a des capteurs aussi qui détectent la présence des gens, et donc ils peuvent interagir avec ces... avec cette pièce. Donc c'est une autre façon de montrer comment on peut travailler le rapport, pas uniquement dans le rapport à la verticalité, et comment on peut être aussi dans l'immersion, dans un autre type d'immersion, mais l'immersion dans l'image. Voilà. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est aussi que c'est des œuvres comme vous l'avez entendu, vous l'entendrez, qui sont participatives. C'est des œuvres aussi où y a bon, après, il y a tout ce que ça peut engendrer. Il n'y a pas que du ludique, mais il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Voilà, donc un autre rapport. Alors j'ai été aussi amené à développer, alors là c'est un projet très atypique, mais bon, qui me tenait à cœur, de créer un peu une œuvre d'art total, ce qu'on appelle une œuvre d'art total. C'est à la fois un rapport à l'architecture et dans un rapport à la fois à l'image, le rapport à la musique. Et donc j'ai créé In Out Paradis Artificiel. C'est une installation qui est aussi comme un gros scarabée qui a été présenté à Chaumont-sur-Loire. Alors Chaumont-sur-Loire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la Loire, et c'est une propriété qui a la particularité de créer un festival des jardins. Donc il y a la création de jardins avec des paysagistes, des architectes et tout ça, chaque année. Et puis Chantal Collet-Dumont, qui est la directrice, invite aussi de nombreux artistes qui s'inspirent du rapport de la nature, donc sous forme multiple, sculpturale, en forme de peinture, de photographie, etc. Oui, ça va ? Oui, je vais bientôt terminer. Et donc l'idée, c'était de créer une œuvre qui est inspirée des structures de l'architecte ingénieur génial qui s'appelle Buckminster Fuller, qui a créé des structures géodésiques. Et donc là, je n'ai pas inventé, mais j'ai repris cette idée de structure. Et cette structure, l'idée, c'était une projection à 360 degrés, donc avec tout autour
un univers kaléidoscopique, donc comme un kaléidoscope de miroir. Et donc les gens rentrent comme un caisson d'immersion un peu, et donc sont devant cette installation qui est projetée. Alors j'ai un petit extrait qui vous montrera. Donc c'est un logiciel un peu différent qui est donc là on voit l'extérieur de cette structure qui est irisée comme un scarabée, et l'idée c'est qu'à l'intérieur, donc c'est un logiciel qui s'appelle les Transnature, mais qui est une base de données que j'ai créée en partie en dessin, en partie en photo, et donc c'est une nature réinventée, recomposée si vous voulez, qui crée des variations entre des univers en deux dimensions et des univers en trois dimensions. Voilà. Alors aussi la spécificité là de cette création, c'est que là j'ai demandé à un compositeur qui s'appelle Jacopo Baboni, qui a la particularité d'être un compositeur qui a travaillé beaucoup avec Berlioz, mais surtout qui fait aujourd'hui des musiques génératives. Ben, c'est un peu la même chose que ce que je développe avec l'image, c'est-à-dire qu'il compose des fragments de musique, et ensuite l'ordinateur va pouvoir remixer ces différentes compositions et créer des variations en fonction de la pousse de certaines de les plantes. Donc il y a une interface, une passerelle entre images et musique. Et donc après, bon, là, bien sûr, c'est des œuvres à vivre et à expérimenter, mais il y avait une spatialisation du son qui permettait, du coup, que le son circule à l'intérieur de ce dôme. Voilà. Et donc, pour avoir une sensation d'immersion, d'être à la fois dans l'image, dans le rapport au son, et puis il y avait bon, le rapport olfactif, parce qu'il y avait aussi ce jardin dans lequel on était. Voilà, donc ça c'est... Voilà, donc vous voyez, il y a des sons qui arrivent, des fragments de sons, et là aussi c'est une musique qui se transforme au fur et à mesure que les gens viennent, et donc on entend parfois des bribes d'éléments qu'on peut entendre à un moment, mais qui se recomposent différemment. Ah mince. Je ne sais pas. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Ah voilà. Et donc, ben, je vous présente la dernière. On arrive presque au bout. C'est pas. Je vous présente alors là le dernier projet donc en date. C'est un projet très un peu unique qui est un projet que j'ai réalisé. La dernière œuvre que j'ai réalisée au mois de septembre. Donc, qui est une pièce sur un bâtiment assez iconique qui est à Séoul. Ce bâtiment a la particularité d'être dessiné par une architecte qui malheureusement est décédée, mais qui est le dernier bâtiment qu'elle a fait malgré que son agence continue, qui s'appelle Zaha Hadid. Alors Zaha Hadid, peut-être vous la connaissez pas, je ne sais pas. Enfin, c'est une architecte qui fait des bâtiments très organiques, qui sont aussi qui ont la particularité d'être créés avec les outils numériques complètement. Et donc ce bâtiment qui est un lieu culturel, un espace, un centre culturel à Séoul, donne chaque année à un artiste, alors pour la première fois étranger, la possibilité de faire une installation sur ce lieu qui est très grand. Hein. C'est une installation qui fait 220 mètres de long, 34 mètres de haut. Et donc, cette création s'appelle Metanature IA. Bon, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça, mais aujourd'hui, il y a des logiciels avec des prompts qui permettent de créer. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'installation que j'avais fait dans ce dôme. Donc, j'ai utilisé ce logiciel et en faisant une base de données créée en intelligence artificielle, donc avec des images qui vont être des jeux de transparence, mais le mieux c'est peut-être de le voir et après je vous parlerai mieux de... Donc on voit voilà le bâtiment qui est aussi sur toute la hauteur, voilà.
Voilà, on voit le bâtiment à l'extérieur, là, il est très métallisé. Et oui, mais tout petit là, non ? Hein, c'est... Ah oui, pardon. Oui, pardon, excusez-moi. C'est quand je monte le son, ça fait tout petit. Ouais. Bon. Oui, donc bon, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un nouvel outil qui permet de déployer de nouvelles, pour moi en tout cas, de nouvelles possibilités, dans le sens qu'on peut travailler sur des plantes qui n'existent pas, mais on peut travailler sur des jeux de transparence, sur des jeux de forme, comme on le voit ici. Et donc ça ouvre de nouvelles possibilités. Voilà, c'est un outil comme un autre, mais qui n'enlève pas, je pense, la créativité. Si on n'a pas de créativité, il faut l'utiliser pour les possibilités de déployer encore plus la créativité. Voilà. Voilà un petit peu un aspect du travail. Et je termine juste par une petite chose. Donc pour terminer, bien sûr, parce qu'on voit tout mon travail autour de la nature, mais attends, zut, alors. Ah, elle n'y est peut-être pas, il n'y est peut-être plus. Ah oui, là, elle l'a enlevé. Bon, bon, donc non, parce que je voulais vous montrer une autre installation plutôt sur la symbolique du digital avec tout l'univers des codes binaires et tout ça, mais bon, la vidéo n'est plus là, mais bon, parce qu'elle a été présentée au Beau de Provence. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de montrer un peu comme je m'intéressais à l'envers de l'image, au fond, toute cette esthétique, comme d'autres ont travaillé sur la société de consommation. Mais bon, c'est pas grave. Merci, excusez-moi de cette fin un peu bizarre. C'était très bien. Merci pour cette belle et riche présentation. Je pense que tous les élèves qui sont là ont une vision bien plus claire peut-être et plus globale de ton travail. Je sais que les élèves et leurs professeurs aussi ont travaillé en amont en venant. D'accord. Ils ont plein de questions à te poser. Alors je pense que tu as répondu déjà à pas mal de questions. Mais là, on avait envie de prévoir un temps où vous, chers élèves, vous allez pouvoir peut-être vous exprimer, revenir sur des choses que vous n'avez pas bien comprises ou de choses qui n'auraient pas été abordées. On essaiera aussi de se faire l'écho du chat. Voilà, donc on fera un peu un aller-retour entre le présentiel et le distanciel, entre le réel et le virtuel, un peu comme dans ton travail. Alors, vos professeurs m'ont envoyé vos questions à l'avance, que j'ai un peu filtrées, je vous l'avoue. Pas parce qu'elles n'étaient pas bien, parce qu'elles étaient toutes vraiment très pertinentes, mais juste parce que j'avais peur qu'on n'ait pas le temps de poser toutes les questions auxquelles vous avez pensé, et aussi parce que d'un établissement à l'autre, y avait des choses qui revenaient, donc ça ne servait à rien que les établissements posent à chaque fois la même question. Donc normalement, vos professeurs ont été un peu briefés, j'espère que vous aussi. J'ai un peu aussi classé les établissements de manière complètement arbitraire, mais juste pour que tout le monde puisse avoir la parole, en fait, simplement. Donc, j'avais commencé par le lycée de Madame Fada, donc le lycée Saint-Louis-Sainte-Marie, je ne sais pas où tu es, voilà. Est-ce que vous avez une question à poser ? Est-ce que c'est toujours le cas ou pas ?
Donc Eléa va vous transmettre le micro et puis Miguel, voilà, j'espère que les élèves pourront profiter de ce temps pour bien débriefer tout ça. Merci. Bonjour. Du coup, nous, on avait une petite question. Vous y avez en fait un peu répondu, mais c'était sur les choix des couleurs. On se demandait pourquoi vous avez choisi d'utiliser des couleurs assez vives et saturées, enfin assez artificielles, au lieu de prendre réellement les vraies couleurs des plantes. Alors oui, effectivement, bon, le choix de la couleur, c'est un choix un peu personnel. Bon, après, comme je vous disais, peut-être c'est l'influence aussi du fait que je suis né au Mexique, si vous avez pu aller dans ce pays. C'est un pays où on aime la couleur. Il y a même l'architecture a un rapport à la couleur très fort. Des architectes comme Barragán utilisent des roses fuchsia, des oranges, des jaunes très intenses. Oui, la couleur, bon, c'est comme Matisse, hein, qui aime la couleur. Bon, mais je fais partie de ces artistes qui aiment la couleur parce qu'il y a une jouissance dans la couleur. Et puis aujourd'hui, ces outils aussi permettent d'avoir des couleurs. Les vidéoprojecteurs ont des capacités de couleurs, les écrans de LED. Je pense que c'est... Bon, ça, c'est personnel. Bon, après, c'est ma sensibilité. Après, je peux comprendre que tout le monde n'aime pas la couleur comme moi, je l'aime. Mais c'est une question, je suis comme un peintre. Il y a des peintres qui l'utilisent plus. Je parlais de Matisse, mais il y en a d'autres. Nicolas de Staël ou d'autres l'utilisent de manière très... très en conséquence. Voilà. Et je pense que l'outil numérique le permet. Alors, moi, je m'en prive pas, voilà. Mais peut-être pour certains, c'est un peu trop. Ça peut être une forme de cacophonie. Pour moi, je pense que c'est aussi une forme de comment dirais-je. C'est un rapport à la vie. C'est un côté enjoué, non ? Je sais pas comment on peut dire. Voilà. Mais non, la couleur, c'est finalement. Quelque chose que j'aime par-dessus tout et quand même qu'on retrouve dans la nature par excellence. Quand on voit la diversité des couleurs dans la nature, enfin en tout cas pour les fleurs, pas pour les arbres, mais même si les arbres, il y en a aussi de couleurs en automne avec des couleurs irradiantes. Voilà. Ok, merci. Et on avait une deuxième petite question. C'était combien de temps prend l'élaboration de ce type de projet ? Alors, quand je développe des logiciels, comme c'est le cas, les futurs logiciels, en fait, c'est entre le moment où j'ai l'idée, le moment où je vois avec les deux informaticiens avec qui je travaille, parfois il faut un à deux ans pour élaborer ces logiciels. Et parce que c'est des logiciels qui n'existent pas dans le commerce, donc ils ont la particularité de faire de pas être comme les logiciels qui existent dans le marché où vous pouvez avoir une licence. Donc ça me permet de créer des éléments un peu différents de ce qu'on connaît des logiciels en 3D ou en deux dimensions comme Photoshop, même si aujourd'hui les logiciels évoluent au fur et à mesure. Mais c'est des logiciels qui sont aussi beaucoup testés en amont pour pouvoir faire que quand ils sont présentés dans un centre d'art ou un musée ou dans l'espace public, ces logiciels n'ont pas aussi de ce qu'on appelle des bugs. Donc c'est des œuvres qui sont beaucoup testées en amont. Et ces œuvres, elles évoluent au fur et à mesure avec le temps et avec les présentations, elles s'enrichissent. Non pas qu'elles ne soient pas bien au départ, mais elles s'enrichissent et elles se nourrissent des différents lieux qui m'invitent. Et au fur et à mesure, donc, elles s'amplifient et elles deviennent plus riches, parfois en couleurs, parfois en forme. Dans le cas des herbiers, chaque fois, je fais en sorte que l'herbier grandisse et donc, du coup, que les jardins soient plus luxuriants ou plus riches en forme, si on reste suffisamment de temps pour les voir. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un work in progress, c'est-à-dire c'est des œuvres
qui s'amplifie dans le temps s'améliore un peu, oui, aussi, parce que forcément, en fonction de ce que je vois, de l'interactivité, tout ça, elles prennent plus d'ampleur, voilà. Merci. C'est vrai que c'est, il y avait pas mal de questions autour de la manière dont tu travailles, et je pense que voilà, ça va revenir au fur et à mesure. J'avais vu après avec le lycée Don Bosco qui est juste derrière, ça tombe bien, vous pouvez faire passer le micro, qu'il y avait des belles questions aussi qui m'intéressent, et qui vont tous nous intéresser. Bonjour. Bonjour. Alors, on avait deux questions aussi. Donc, au regard de l'histoire de l'art et au regard de l'aspect immatériel de vos œuvres, comment envisagez-vous le rapport à la pérennité de votre art ? Alors, bon, pour les œuvres qui sont en impression 3D, donc ça, c'est plutôt... disons, il y a une pérennité assez grande dans le sens que c'est des matériaux qui, aujourd'hui, ont... par exemple, là, je travaille beaucoup avec l'école des beaux-arts de Limoges, qui ont créé un département très spécifique de céramique. En fait, on peut imprimer maintenant en céramique. Donc là la question ne se pose pas. Pour ce qui est des logiciels, en fait, c'est des logiciels qui ont une stabilité. Donc après, on peut les... c'est pas comme un tableau qui se détériore ou des sculptures qui avec le temps, s'abîment, puisque en fait... Moi, je fais évoluer les logiciels en fonction de l'évolution aussi de la technique et des ordinateurs, donc qui sont portés au fur et à mesure, et c'est ce qui leur permet d'aujourd'hui d'avoir une bonne stabilité, si vous voulez, et d'être aussi pérenne, si vous voulez. Mais c'est une question quand même qui se pose, effectivement, c'est-à-dire qu'au-delà de moi, comment ça va perdurer. Alors, ce qui se passe, c'est que quand même ces logiciels sont écrits. Donc, comme ces logiciels sont écrits, on peut aussi reprendre une partie du code pour pouvoir les porter sur les logiciels quand je serai plus là. Donc, j'ai conscience que c'est un des aspects importants. Mais il faut dire une chose, c'est-à-dire que il est arrivé que parfois certains collectionneurs avaient l'écran qui ne marchait plus. Donc, c'est pas l'écran qui fait la valeur de l'œuvre, c'est plutôt le contenu et le logiciel. Et donc si l'écran ne marche plus pour X raisons, on peut aujourd'hui porter sur des nouveaux écrans, si vous voulez. Et en général, les œuvres, comme le matériel s'améliore avec le temps, du coup, les œuvres prennent plutôt plus de définition, plus de... et donc, le problème ne se pose pas tellement en termes de pérennité, puisqu'on peut... un fichier, il est assez facilement transposable sur une clé USB. Et alors, c'est la question après de l'unicité. Donc, je fais des œuvres qui sont uniques, puisqu'elles sont génératives. Donc, on peut créer des œuvres uniques à chaque fois, puisqu'elles se transforment dans le temps. Et donc, il y a un certificat qui leur donne l'authenticité de la pièce. Voilà. Mais pour la pérennité, il y a quand même cette idée que les vidéoprojecteurs ne font pas l'œuvre. C'est-à-dire que moi, si demain, il y a des vidéoprojecteurs ou des écrans de meilleure qualité, je pense que c'est bien de le porter sur les nouveaux matériels qu'il y a, voilà. Plutôt que de conserver, comme certains, par exemple Nen Junpei, il y a une difficulté aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, de dire que, par exemple, les écrans qu'il a, ils sont obligés de mettre des écrans LCD parce qu'on n'a plus des écrans de tube cathodique. Mais ça, c'est pour les œuvres qui sont sous forme d'installation. Voilà. Alors, les conservateurs veulent les vieux téléviseurs, donc ça, c'est un peu... enfin, moi, je ne me pose pas cette question-là parce que je propose qu'on mette les supports de présentation peuvent évoluer sans pour moi altérer la création et l'œuvre qui est présentée.
Merci, c'est très intéressant parce que c'est vrai que la question de la conservation, c'est un grand enjeu dans les arts numériques, notamment pour les pionniers et les pionnières des arts numériques. Comment on expose une œuvre d'Eduardo Kac sur Minitel, par exemple, aujourd'hui? Ah oui. Enfin, voilà, ça pose ce genre de questions. Et donc, c'est très intéressant que tu nous dises que finalement, ce n'est pas le dispositif qui fait l'œuvre, mais vraiment le logiciel. Et donc, voilà. C'est transposable dans Après, il y a des formats. Voilà, il y a des formats qui peuvent... Que, par exemple, si j'ai eu une personne qui avait une œuvre sur un écran, elle a décidé de la projeter. Donc j'ai dit, non, ça, c'est pas la solution. Mais voilà, après, on peut transposer ça avec les supports qui évoluent. Ça, c'est possible. Oui. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose dans Moscou ? Face au paradoxe végétal artifice et nature numérique, quelles préoccupations liées au vivant vous animent et en quoi votre démarche numérique pourrait s'inscrire dans une continuité ou une proximité avec le land art? Alors oui, par rapport à cette question, effectivement, ce qui est intéressant, et c'est ce que ne voyait pas beaucoup au début le monde de la culture, c'est que je crois qu'on peut travailler un rapport au land art. Par exemple, j'ai été amené à développer une installation au Grand Bornand, dans les Alpes, où on peut travailler la géographie d'un espace, en projetant sur la neige. Et du coup, c'est une forme de land art. Je ne l'ai pas encore beaucoup expérimenté, mais ça fait partie aussi des éléments que je souhaiterais davantage développer. Dans ce sens, je suis en train d'essayer d'imaginer des projets dans les Alpes, en Savoie, en Tarentaise, qui travailleraient davantage le rapport au land art. Mais c'est effectivement un des axes aussi que permet le digital. En tout cas, c'est un des aspects qui je pense, effectivement, est intéressant à explorer. Merci. Ouais. On a une question dans le chat, Esther. Alors oui, cette question elle a été posée deux fois par deux personnes différentes. Pourriez-vous nous préciser comment les images sont projetées sur l'architecture de Séoul Métanature IA? Un grand merci pour toutes les explications, les terminales SP du lycée du pays de Condé Nord. Oui, alors pour répondre à cette question, effectivement, je ne l'ai pas précisé. La complexité, effectivement, de ce bâtiment, vous l'avez vu de manière succincte, mais en fait, on voit que ce bâtiment, il est très organique. Et donc, la difficulté, c'est que quand on projette sur quelque chose en aplat, bon, ça pose pas de problème. La complexité, c'est qu'il a fallu que je récupère le fichier de l'architecture qui est justement en forme courbe et contre-courbe, et qui est très baroque aussi, et il a fallu déformer les images pour que du coup, quand elles soient projetées sur ce bâtiment, elles apparaissent normales. Et donc ça a été effectivement un aspect un peu difficile, c'est-à-dire qu'il a fallu répartir l'image et surtout la déformer. Donc ça, on l'a fait avec un logiciel qui s'appelle Cinema 4D, voilà, qui permet de déformer pour que du coup les éléments apparaissent bien sur le rapport à cette architecture qui est très atypique. Finalement, on est assez proche des trompe-l'œil baroques d'Andrea Pozzo qui déformait ses images pour qu'on les voit correctement. C'est tout à fait ça. Alors bon, là, c'est fait avec les moyens techniques d'aujourd'hui, mais qui était c'était certainement un tour de force de le faire indépendamment de l'esthétique que ça génère. Mais oui, aujourd'hui, c'est possible de prendre. Mais il faut la complexité, c'est qu'il fallait récupérer ce fichier qui n'était pas non plus très facile à obtenir, et du coup, c'est des temps de calcul quand même assez importants pour pouvoir arriver à faire que image par image, toutes ces images puissent se mapper sur ce bâtiment-là.
Merci. Est-ce que vous voulez faire... Non, c'est bon. Syntex, je crois que vous avez préparé des questions, normalement. Madame Chafoy. C'est qui... Ah oui, le micro, je peux... Bon, je peux l'amener. Oui, c'est... Ça arrive, ça arrive. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les élèves qui sont inscrits au projet, qui sont là, on va travailler le mapping vidéo après. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ils vont faire des mappings. Ah, d'accord. Ben, voilà. Donc, sur des objets ou peut-être des sculptures. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Bonjour. Nous avons trois petites questions. Tout d'abord, pourquoi le thème de la nature est-il au centre de votre œuvre ? Alors, comme je l'ai dit là aujourd'hui, en fait, c'est qu'un aspect de mon œuvre. Mais bon, la nature, alors, bon, il faut dire que bon, moi, je ne suis pas un militantiste écologique, mais la nature m'intéresse à plus d'un titre. D'abord, c'est une source d'inspiration très riche. Je suis conscient aussi de tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui écologie. Donc, peut-être que pour moi, si vous voulez, la nature, c'est, comme je le disais, à la fois une source d'inspiration, mais c'est aussi une façon de lui rendre hommage et d'une prise de conscience qu'il faut la préserver, qu'il faut que c'est un rapport, moi, que j'ai, c'est comment créer des œuvres sensibles autour de cette thématique de la nature qui m'inspire, mais qui inspire de nombreux autres artistes. Je ne suis pas le seul, bien au contraire, à s'intéresser à ça. Voilà, alors après, c'est une nature qui est transposée et qui... Oui, qui est une façon de rendre hommage à toutes ces multiples facettes et voilà, et de prendre conscience qu'il faut préserver cette beauté si on veut pas qu'elle disparaisse à tout jamais. Voilà. Et je crois que la nature, c'est aussi une façon de... Alors, elle a été, comme je disais, l'histoire de l'art l'a traversée à travers la peinture, la photo, la vidéo. Mais en fait, comme j'essayais peut-être, mais peut-être pas de manière très habile, c'est aussi, j'ai le sentiment qu'il est important de montrer que le digital a une esthétique spécifique. C'est pour ça que je parlais de filaire, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise l'intelligence artificielle comme base de données pour créer des univers qui revisite cette nature en lui donnant, en la magnifiant, mais aussi en lui donnant une spécificité digitale. Voilà. Et comme on a une touche de la peinture, une touche particulière de la peinture ou des effets de photographie, je trouve que c'est aussi un aspect important qui, comme la peinture l'a traité, de le traiter par un biais qui en fait la spécificité de ce médium. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut faire dans l'ordre de la salle, ça t'évitera de courir dans tous les sens. Je ne sais pas, voilà, Syntex. Okay. Bonjour. Alors, le lycée Don Bosco a posé des questions incroyables, ce qui fait que vous avez répondu, je pense, à beaucoup de questions. Mais bon. Ça va avec votre côté avant-gardiste. Hein. Mais du coup, par rapport à ça, nous, je pense que les lycéennes et lycéens, on peut avoir un peu de mal à se positionner chronologiquement. Ah. Mais en tout cas, on a bien compris que vous avez bousculé certains mondes de l'art, notamment l'art digital. Et est-ce que cette posture innovatrice, vous pouvez la maintenir dans le temps? Et est-ce que les modalités d'exposition, elles vont dans ce sens? Et c'est quoi vos objectifs pour continuer à bousculer et accélérer l'art digital? Alors, bon, je pense que... Bon, moi, pour moi, tout artiste, et si vous persévérez dans cette spécificité qui est quand même très particulière, pour moi, un artiste, c'est quand même un explorateur. Donc, c'est quelqu'un qui ouvre de nouvelles voies. C'est quelqu'un qui essaie d'être de son temps avec les outils de son temps. Voilà. Pour moi, c'est ça l'important, mais avec sa sensibilité, ses propriétés. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le digital peut aller du virtuel au réel et vice-versa. Et ça, c'est un aspect, je pense, qui m'intéresse à plus d'un titre. Alors, pour votre information, bon, parmi les choses en 2024 qu'il va y avoir, j'ai la chance de
qu'on me propose de faire une installation au château d'If. Donc le château d'If, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Marseille, donc c'est pas très loin d'ici. C'est à, je crois que c'est à 3 ou 4 kilomètres de, on le voit de Marseille, de différents endroits. Et bon, la spécificité aussi du château d'If, outre le fait qu'il y a eu Monte Cristo, c'est que c'est une île, et que cette île, il va y avoir les régates, je crois, les Jeux Olympiques vont faire partie de ça. Et du coup, donc je vais traiter quelque chose qui est à la fois le phare, donc avec une œuvre plutôt pérenne, une œuvre fixe, mais qui va travailler la notion des flux, les flux marins. Et à l'intérieur, il y aura de ce château d'If, il y aura des pièces comme des cabinets de curiosité, donc inspirées pas exactement du monde végétal, mais du monde plutôt aquatique, et de choses qu'on voit pas tellement, qui sont pas tellement traitées dans le monde artistique et connu du grand public, qui est tout l'univers du plancton. L'univers du plancton, c'est ces micro-organismes qui aujourd'hui absorbent une partie du CO2 et qui ensuite rejettent de l'oxygène, comme les forêts. Voilà. Et dans le monde du plancton, il y a des formes tout à fait étonnantes, qui sont ce qu'on appelle les radiolaires, les diatomes, et qui ont des formes très étranges. Et du coup, voilà, il y aura des pièces aussi en impression céramique. Donc ça, c'est un aspect aussi que je trouve que le digital peut investir, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a des robots qui permettent de sculpter, en quelque sorte, enfin, ou de déposer par couches successives de la matière, soit des plastiques recyclés, mais aussi du béton fibré, etc. Et là, il y a un champ de recherche très important, mais pas que. Il y a ça, mais il y a encore beaucoup d'autres idées que moi j'explore, qui est la réalité augmentée. Enfin, il y a beaucoup d'autres domaines. Et puis, comme tout évolue, et l'intelligence artificielle, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont expérimenté, mais si on n'a pas d'idée de ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle, on fait pas grand-chose, mais parce que ça n'a pas de conscience. Donc, si vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas, l'ordinateur n'a aucune conscience. Mais si vous lui donnez des orientations, si vous décrivez les formes, à ce moment-là, elle peut être génératrice de nouvelles formes par le fait qu'elle s'inspire de toutes les formes que les êtres humains ont créées. Donc, ça peut être un nouveau champ de recherche, et c'est celui qu'en tout cas je développe, et qui sera un peu aussi développé dans le cadre de cette exposition au Château d'If. Merci pour cette belle question. Je pense que tous les profs dans la salle ont déjà commencé à réfléchir à comment ils vont aller au Château d'If l'année prochaine. Esther, tu as une question depuis ton ordinateur ? Déjà, avant de poser la question, je tenais à dire qu'il y a beaucoup de retours positifs dans le chat et beaucoup de personnes qui vous remercient. Ce sera impossible de tous les citer. Et la question que j'ai, c'est des terminales SP du lycée de Tarascon. Pourriez-vous nous parler d'émotion, de sensibilité face à vos créations ? Alors, moi, j'essaye que mes œuvres soient de... C'est une certaine sensibilité que parfois certaines personnes qui n'ont pas, entre guillemets, de connaissance de l'histoire de l'art puissent s'y intéresser, indépendamment du fait qu'on s'intéresse à toutes les avant-gardes que j'ai esquissées très brièvement. Mais après, c'est le public qui peut le dire. Moi, je ne suis pas... Je suis force de proposition. Après, l'œuvre me dépasse. Enfin, elle me dépasse pas, mais l'œuvre, je dirais, se développe d'elle-même. Et donc, du coup, après, la partie sensible de chacun, ça dépend aussi de comment il a son éducation. Voilà. Ce que j'essaie de développer aussi, ce sont des œuvres, comme je disais, qui ne nécessitent pas forcément des connaissances et qui, du coup, peuvent appeler à tous les sens visuels par
je pense que l'esthétique est quand même très importante. Il y a, je sais, dans le XXe siècle, des artistes qui ont refuté une forme d'esthétique, de plasticité, de beauté. Moi, je pense que ça fait partie de la création. Et après, cette sensibilité, elle est liée à chacun de nous et en fonction de nos connaissances et de tout ce qu'on a. Mais bon, après, c'est un petit peu au public de le dire plus qu'à moi. Merci. Peut-être qu'on peut faire tourner encore le micro, ou est-ce que vous avez encore une question? Où est-ce qu'il est le micro? Il est là, merci Eléa. Bah, du coup, Eléa, peut-être tu peux rester par là pour t'éviter de faire tout le tour. Il y a le lycée Saint-Jean de Garguier, il me semble, par là, peut-être. Voilà. Un micro. Et on a encore un peu de temps pour les questions, donc je pense qu'on va pouvoir... Déjà, bonjour. Et donc bonjour. On a d'abord une question plutôt d'un point de vue personnel. On a vu qu'il y a beaucoup de notions qui revenaient, notamment mathématiques comme les fractales. Donc vous, c'est quoi votre rapport et votre lien aux mathématiques en général? Alors, bon, moi, je n'ai pas une formation de mathématicien, mais je m'intéresse aux mathématiques et aux sciences parce que je trouve que dans le domaine des sciences, il y a il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être intéressants d'intégrer dans le domaine des arts plastiques. Par exemple, là, pour le château d'Yves, je m'intéresse aussi à tout ce qui est la notion des fluides. Et bon, le monde des sciences ont beaucoup étudié les fluides, les courants marins. Et donc, du coup, bon, comment on peut transposer certaines de ces recherches de la même manière que je me suis intéressé à la simulation de croissance de plantes. Ce qui m'a intéressé, c'était de montrer comment on peut parler du cycle de la vie, dans l'occurrence là pour les surnatures, mais ce monde de la mathématique, bon, moi je l'ai abordé je l'ai abordé de manière modeste, parce que je n'ai pas une compétence mathématique aussi poussée que peuvent l'être pour le coup des mathématiciens, mais forcément, quand on intègre des logiciels, on est obligé de s'y pencher, de s'y intéresser. Alors, il se trouve que les fractales, moi, je ne prétends pas avoir inventé les fractales. Les fractales, elles existent. Mais je les ai repris pour développer ce que vous avez vu avec ces fractal flowers. Mais c'est une... je veux dire, sur Internet, ces algorithmes, vous pouvez les voir, ils sont donnés aux yeux de tous. Donc c'est un matériau, la mathématique, qui permet aujourd'hui de créer des formes qui, moi, m'intéressent par rapport à ce qui est autour de nous. Donc, et qui lui donne aussi une matérialité. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que dans la mathématique, il y a une abstraction qui est très forte pour les mathématiciens, alors que cette mathématique que j'utilise, elle est tangible, enfin on la voit, et du reste c'est par ce biais-là que les gens ont compris ce que c'était que les fractales, parce que pour la plupart des gens qui n'étaient pas des mathématiciens, les fractales étaient quelque chose de très abstrait en soi. Et c'est en montrant la réitération de ces formes et de montrer comment à 10 échelles multiples, on a des formes très étonnantes qu'on retrouve dans la nature, les gens ont compris ce que c'était qu'une fractale. Mais au départ, c'était très abstrait. Donc, tout ça pour dire que oui, les mathématiques, je les intègre, même si je ne suis pas le plus grand des mathématiciens, et elles me permettent de mettre en œuvre ces créations par ce biais des logiciels. Voilà. D'accord, merci. Donc on a une deuxième question plutôt sur le processus de création de vos œuvres. J'imagine que vous avez beaucoup délégué vos tâches, donc comment vous travaillez avec vos collaborateurs pour créer vos œuvres? Alors, bon, c'est pas de beaucoup de tout temps. Il y a eu aussi comme ça des collaborations. Hein. Je ne suis pas le seul. Des ateliers comme Rubens, ils avaient différents... Ils composaient, ils faisaient une grande composition avec des esquisses. Puis après, il y avait différentes personnes qui réalisaient un certain nombre de personnages. Et puis,
et puis là, Rubens terminait. Donc je suis un peu aussi, c'est vrai, comme un collaborateur, comme un réalisateur, si vous voulez. Il y a les caméramans, il y a les acteurs, etc. Mais au départ, il faut quand même mettre tous les ingrédients et décrire comment on veut créer le logiciel pour qu'à un moment donné, ce logiciel, il existe. Et puis c'est un véritable outil, comme on a un piano et après on peut composer des gammes, si vous voulez. Alors le travail, il le fait aussi avec des personnes avec qui j'ai eu peu à peu créé une complicité qui a fait qu'à un moment donné, eux sont vraiment, ont une conscience de capacité à écrire en C++ le programme, mais ce programme, si je n'indique pas les objectifs vers lesquels on va aller, alors j'ai travaillé avec certains informaticiens au début qui ont pensé que ils avaient écrit le programme, en fait je n'avais pas de légitimité, voilà, à créer. Alors j'aurais dit, écoutez, utilisez votre logiciel, faites les créations, développez des projets dans l'espace. Et en fait, ces personnes-là moi je m'en suis rendu compte aussi, parce que finalement, ils n'ont pas été plus loin. Alors, c'est pas parce qu'on crée un logiciel qu'on est forcément un artiste. Mais je suis conscient aussi que parfois, il y a des artistes qui ont la double capacité à créer à la fois le logiciel et à la fois ce qui n'est pas mon cas, mais en tout cas dans donc chaque fois, si vous regardez sur internet ou dans mon site, il y a toujours le nom de la personne qui a écrit le logiciel, mais je revendique toute la partie, si vous voulez, artistique. Et cette partie artistique, du reste, elle s'est affinée, comme je l'ai dit, avec le temps et avec un vrai dialogue entre nous. Donc c'est un travail de collaboration où je revendique la partie artistique. Voilà. Merci, c'est vrai que c'est des questions assez centrales et que les élèves se posent beaucoup. Qui est le créateur de l'œuvre, d'une œuvre, quand il y a collaboration, c'est vraiment des choses qui... Alors, aujourd'hui, il y a aussi des logiciels qui existent sur le marché. Mmh. On paye des licences. Et alors on peut utiliser Photoshop, on peut utiliser, je sais pas, Cinema 4D, Rhinoceros, enfin bon, il y a plein de logiciels. Bon, en fait, c'est des outils. Et si on n'a pas l'idée de ce qu'on veut faire avec cet outil, ça reste relativement... c'est un moyen. C'est comme un appareil photo, tout ça. Donc après, c'est la façon dont on le traite, voilà, qui en fait la qualité de... Esther, est-ce qu'on a des nouvelles de l'Internet ? Alors oui, on a beaucoup de questions, notamment une question du lycée Marguerite de Flandre. Comment voyez-vous le futur du digital et pensez-vous que l'IA menace la création artistique ou au contraire qu'il s'agit d'un outil positif ? Alors, pour l'IA, je pense que de toute façon, d'abord il y a des multiples IA. Parce qu'on parle de l'IA comme une façon, effectivement, ça va être terrible pour les créateurs. Je pense que ça va être, oui, difficile pour les illustrateurs qui n'ont pas de style en soi. Parce qu'aujourd'hui, des agences de communication, de publicité vont faire des prompts, comme ils demandaient à un illustrateur avec une description de... Et donc l'illustrateur va pouvoir développer l'illustration par rapport à un descriptif. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait le descriptif et on peut avoir, alors on n'obtient pas toujours, parce que l'intelligence artificielle, les gens pensent qu'on appuie sur le bouton, ça marche. Non, souvent on arrive à des résultats qui ne sont pas toujours ce qu'on souhaite. Donc il y a un travail quand même qui nécessite peu à peu de s'y frotter et on s'aperçoit qu'en fonction de ce qu'on décrit, on n'obtient pas du tout. Par exemple, moi, dans le cas présent, je voulais des essences de fleurs avec des transparences et je demandais que ça soit comme des radiographies. Donc très souvent, j'obtenais des têtes de mort. Bon, donc c'était pas du tout le résultat escompté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme pour tout, il faut travailler avec cette intelligence artificielle et à partir de là, on va obtenir
un nouveau imaginaire, si vous voulez, ou un imaginaire. En fait, ce nouvel imaginaire, il est créé qu'à partir de toutes les bases de données qui existent. Donc, elle n'est pas si intelligente et si créative que ça, l'intelligence artificielle. Et elle est bien sûr, elle est. Moi, je suis convaincu que si vous, en tant que créateur, si vous avez des idées de ce que vous voulez en faire, vous obtiendrez des résultats qui pourront être satisfaisants et créatifs. Mais ça dépend vraiment de vous. Voilà. Merci, j'ai vu que le micro était vers le lycée Langevin, et puis après peut-être ça sera Mendes France, j'imagine, puis on reviendra vers le centre. Donc voilà, on vous écoute, merci. Alors la question, c'est comment expliquez-vous l'idée d'une surnature, une nature artificielle présente dans votre travail à des élèves de lycée, certes générationnellement liés à l'informatique, mais préoccupés par les problèmes liés à l'écologie? Non, mais bien sûr, l'écologie est très importante. J'en suis, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un activiste écologique, mais j'ai la conscience qu'il faut préserver cette nature. C'est lui rendre, je le disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est une façon de rendre hommage à cette nature. Mais il y a quelque chose que je tiens à préciser, c'est que parfois, par exemple, là, j'ai fait une installation à l'autre bout du monde. J'ai transporté que deux ordinateurs et j'ai fait une installation sur 3000 m2. J'ai pratiquement transporté aucun matériel. Par rapport à des expositions de certains tableaux où il faut des caisses, du coup on est dans une problématique qui peut être aussi beaucoup plus gourmande en termes écologiques, si vous voulez, voilà. Puisque en fait j'utilise du matériel sur place en dehors des ordinateurs que j'emmène avec moi, mais donc ça peut être aussi une autre façon de montrer qu'on peut monter des expositions avec des détails conséquents sans avoir à transporter aussi beaucoup de matériel. Voilà. Mais moi, si vous voulez, je m'intéresse à la nature comme d'autres peintres se sont intéressés à la nature et ils l'ont transposée. Voilà. Et donc c'est par les outils d'aujourd'hui que j'essaie de parler du monde qui nous entoure. Merci. Mendes, du coup. Bonjour et merci. Dans votre processus de création, y a-t-il un passage vers des outils plus traditionnels, tels que des dessins, des croquis, voilà. Alors aujourd'hui, enfin, je passe directement, puisqu'on peut travailler directement sur des palettes, je peux dessiner, mais ce qui m'intéresse, c'est après, bien sûr, comme je suis obligé de communiquer avec les personnes qui ont écrit le logiciel, je suis obligé de leur donner des esquisses, des éléments. Pour convaincre certains projets, je suis obligé de faire des simulations. Donc j'utilise des outils qui sont les outils numériques, mais je fais des simulations d'installations. Pour le projet du Château d'If, on a été amené à simuler une partie, pas tout, mais une partie des créations. Donc en fait, il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent de combiner, comme vous le savez, la photo avec le contenu que vous voulez en donner et de l'incruster dans l'espace ou sur les bâtiments, en l'occurrence, voilà. Donc j'utilise pas beaucoup de papier, même si aujourd'hui je développe aussi des outils qui sont ce qu'on appelle une CNC, c'est des machines à découper, et donc j'ai transposé une CNC industrielle avec des stylos qui permettent de dessiner sur des feuilles de papier. Donc ça, on rejoint une matérialité et un travail plus traditionnel, mais c'est des robots qui les tracent. Voilà. Merci. Je ne sais pas où est passé le micro. On va essayer de poser les dernières questions assez vite. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'une journée type dans la vie de Miguel Chevalier?
Une journée type, c'est d'abord, comme vous, je pense, vous recevez des emails. Alors, je reçois des emails de beaucoup de pays différents. Donc, l'importance de parler l'anglais. Je ne parle pas très bien, mais bon. Et l'espagnol aussi. Donc, très souvent, il ne faut pas parler forcément français, mais dans d'autres langues. Voilà, et après, il y a les projets en devenir, il y a les demandes, donc il faut répondre aux demandes des différents projets qui me sont proposés. Et je suis aussi parfois force de proposition, donc il n'y a pas que des projets qu'on... Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des centres d'art, des musées qui me demandent, parfois aussi l'éducation nationale, comme c'est le cas ici, de venir. J'imagine aussi d'autres projets. C'est-à-dire, je fais des projets pour moi-même, mais j'essaie de réfléchir sur tout un projet avec différents artistes, depuis Vera Molnar. Et d'autres, comment l'univers des dessins à travers les plotters s'est développé dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, et comment on peut faire aujourd'hui des dessins XXL. Bon, voilà, ça c'est un projet que je suis en train d'écrire et qui est plus un projet d'exposition future. Alors après, mon métier d'artiste n'est pas de faire des expositions, j'imagine des projets qui sont indépendamment de moi ou dans lesquels je m'intéresse bien sûr parce que je suis partie prenante, mais de voir avec des commissaires d'exposition si une exposition de cette nature serait pas judicieuse, parce que jusqu'à présent on montre que des artistes qui ont travaillé dans ce domaine des arts plastiques et de l'informatique jusqu'aux années 80 où moi j'ai commencé, et on oublie tout ce qui se passe après. Voilà. Donc ça, je crois que c'est par exemple un aspect inédit, mais voilà, ça, je ne sais pas si je réponds à votre question. Ça, en fait, mon champ de artistique n'est pas uniquement sur mon travail. Bien sûr, je développe de nouveaux logiciels, bien sûr, j'imagine de nouvelles expositions, mais aussi je m'intéresse à essayer d'imaginer comment on pourrait... faire mieux connaître les artistes qui ont œuvré en amont de moi et ceux qui sont aujourd'hui dans la scène artistique, pour pouvoir montrer finalement que ces moyens sont aussi des moyens comme les autres, comme je l'ai expliqué, mais qui sont que c'est pas parce qu'il y a la technique qu'on ne peut pas avoir des œuvres sensibles. Merci. J'ai vu que c'était déplacé par là. Voilà. Oui, bonjour. Alors, le lycée Zola, on se demandait quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui se lancent dans l'art numérique. Alors, pour les personnes qui se lancent dans l'art numérique, bon, je pense qu'il faut d'abord, donc, comme tout artiste, il faut être convaincu déjà de ce qu'on veut faire et être passionné, parce que la passion, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Et il y a quand même, alors après, il y a la persévérance, il y a un peu la chance, mais la chance, on se la donne aussi. Hein, et je pense que ce qui est important, c'est la curiosité. Il faut être curieux de tout. Et c'est la curiosité qui va vous apporter aussi la possibilité d'explorer davantage. Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est que l'exploration de ce que les autres n'ont pas, ne pas s'engager toujours dans les chemins déjà tout tracés, de prendre des chemins de traverse. Parce que sinon, on retombe souvent, pas toujours, mais dans des domaines qui ont déjà été explorés. Et comme je disais, pour moi, l'art, c'est aussi une exploration des possibles, et d'où l'importance de s'intéresser à la fois à ce qui existe, mais aussi au passé, parce qu'on peut pas, on se nourrit du passé pour se projeter dans le présent et dans le futur. Et c'est ça aussi qui fait que, du coup, on peut être amené à innover. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Je pense. Peut-être une dernière question. Le lycée Mandela, il me semble, avant de, oui, de conclure. Il reste une question dans le public et une question sur le chat avant de clôturer. Ok, super. Bonjour. Plutôt on parlait d'écologie, du coup, est-ce que vous vous mettez des limites à la consommation d'électricité dans la création de vos pièces, notamment au cours du processus et durant l'exposition ? Alors, bon, mes expositions, en fait, souvent, ce n'est pas plus qu'un frigidaire, hein, les consommations de projection. Donc, alors, effectivement, si on veut plus de frigidaire, si on veut plus, on veut marcher que à pied et en voiture électrique, mais on sait aussi que la voiture électrique, elle a aussi posé problème. Donc oui, je suis conscient que j'utilise de l'électricité, mais il y a d'autres envers, si vous voulez, qui font que bien sûr, je prends conscience que ça nécessite de l'électricité, mais pas que, parce que parfois aussi, je fais des pièces qui sont, comme je l'ai expliqué, qui sont des œuvres fixes, et donc qui ne nécessitent pas de l'électricité, qui ne nécessitent plus d'électricité et qui peuvent être présentées en tant que telles. Mais bien sûr, ça fait partie aussi des questions qu'on peut se poser par rapport à ce médium. Mais voilà, je prends en compte les éléments qui sont aujourd'hui, je suis conscient de ces éléments-là. Ces œuvres, elles se présentent souvent de manière parfois événementielle, donc c'est là où elles sont dans un rapport je prends conscience de ces éléments là mais après la difficulté, c'est quand même, il faut, pour créer ces œuvres, il faut utiliser un peu d'électricité. Oui, je vous le concède. Voilà. Esther. Alors, on a une question des terminales SP du lycée Jules Ferry dans les Vosges. Comment recevez-vous le fait que vos pièces soient diffusées au sein du programme limitatif ? Qu'est-ce que ça fait pour un artiste de savoir qu'on est au programme du bac ? C'est un peu ça, je pense, la question. C'est à la fois un grand honneur, parce que, bon, je cache pas que c'est... À la fois, même moi, j'étais surpris. Je trouve aussi que ce qui fait aussi que l'éducation nationale a un esprit d'ouverture hors norme, parce que je trouve formidable que l'éducation nationale puisse me mettre comme un élément référent dans ce programme. Parce qu'effectivement, c'est le temps qui dira si les choses s'imposent. Et il faut donner du temps au temps pour que les choses se mettent en place. Alors, c'est vrai que c'est une charge lourde que de me nommer dans ce programme. Mais à la fin, je me dis que ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des liens qu'on voit avec Monet, avec des artistes que moi, j'aime particulièrement. Ce que je trouve aussi fantastique dans Monet, c'est que, par exemple, si vous avez été voir les Nymphéas à l'Orangerie, c'est des tableaux où on rentre... je pense que aussi, ce qui était génial chez Monet, c'est qu'on rentre dans le tableau. On est dans l'immersion du tableau. Et bon, je trouve que ce qui est passionnant, c'est que l'éducation nationale m'ait mis dans une continuité d'artistes, en l'occurrence de Monet, qui a ouvert la voie aussi vers le rapport à la lumière, le temps. Et donc, de ce point de vue-là, je ne peux que être très sensible à cet honneur qu'on me donne d'être un élément référent. Merci beaucoup. Merci, chers élèves, pour votre attention. Je pense que... Merci, Miguel, pour ta générosité. Je pense que vous allez repartir bien armés pour les épreuves du bac qui vous attendent, en espérant que vous allez tomber sur une œuvre de Miguel Chevalier, du coup.
Et merci aussi aux enseignants d'avoir été là et merci à toute l'organisation. Merci, merci tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci aux gens qui étaient derrière leur ordinateur aussi. J'ai l'impression qu'il y avait du monde, donc c'est super. Merci à vous. Au revoir.